Affaire, c'est elle qui doit être sanctionnée. Alors c'est à elle qui doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait. Parce que nous, on n'est pas associés. Alors nous lui reprochons ça. Il faut qu'elle parte. Elle ne doit pas nous sanctionner pour ce qu'on n'a pas fait. On refuse ça. Un poste ministériel, écoutez mon frère, c'est un poste politique. Ok, tu es en train de mener la politique du gouvernement, c'est tout. Il n'y a pas à faire de méritant ou pas méritant, ok? Mais ce qu'on dit, quand tu travailles quelque part, moi je ne peux pas venir chez toi, j'ai dit je vais faire ton salon, je ne te demande rien, je ne t'associe pas, j'envoie des fauteuils. Mais si ta maison n'a pas cette grandeur, les fauteuils que j'ai envoyés, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'aurais jeté de l'argent. Alors si quelqu'un doit être responsable de ce qui s'est passé, c'est bien la ministre Aminata Kaba. Nous souhaitons qu'elle parte. Cette dame, c'est son travail qui s'est retourné contre elle, comme Dieu ne dort pas. Elle a envoyé des gens, des techniciens, travailler sur le plateau de Coloma, sans associer les techniciens de Coloma, sans associer même le directeur général. Et comme Dieu ne dort pas, elle était sur le plateau hier, après avoir que ces techniciens, qu'elle-même elle a envoyé, directement le son est parti, elle était sur le plateau. Elle se nerve, elle quitte, et puis elle dit que c'est une question de sabotage. Nous sommes désolés, c'est son travail qui s'est retourné contre elle. Au lieu d'appeler une réunion pour voir comment corriger ses erreurs, et puis elle prend carrément une décision en suspendant le directeur général. On ne peut pas cautionner ça, nous sommes désolés. Elle a fait beaucoup de choses que nous avons fermé l'œil. Mais ça là, on ne va jamais laisser passer. Jamais. Parce que nous, on ne sait même pas si nous avons une ministre. Elle ne vient jamais auprès de ce travailleur, elle ne vient jamais rencontrer ce travailleur, elle ne vient même pas vous dire bonjour. Même si elle vient parmi vous dire bonjour, elle ne répond pas. On dirait qu'elle, elle est Dieu. Je suis désolé, mais il faut le dire. Nous sommes juste à côté d'elle, juste à côté. Demandez, elle est venue voir le travail comme une façon juste pour nous encourager. On n'a pas besoin d'argent, nous on se sacrifie, on travaille pour l'État. Devenez-nous juste pour nous dire, est-ce que ça va? Et comment vous travaillez? Elle n'a jamais fait, juste à côté de nous, jamais. On ne peut pas évoluer comme ça. Tout ce que nous demandons au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de nous débarrasser de cette dame, carrément. Si elle ne peut pas mettre cette dame à la touche, mais qu'elle enlève cette dame ici. Pour preuve, la dame qu'elle était là, avant même qu'elle arrive, Rose Paula Prissemou, ministre Rose, tout ce que cette dame avait mis en place, quand elle est venue, elle a tout enlevé. Si elle a besoin de manger de l'argent, nous, on n'a pas besoin d'argent. Hein. Nous avons besoin des équipements, nous avons besoin d'informations, nous avons besoin aujourd'hui qu'on nous accompagne. C'est tout ce que nous demandons, tout ce que nous demandons. Le reste, franchement, ce n'est pas notre problème. Si elle veut débloquer 14 milliards, 20 milliards, mais qu'elle associe les techniciens qui vont continuer à utiliser ces machines. C'est ça que nous demandons. C'est le même.